là, il faut connaître le moment, le centre de gravité et la section, l'aire de la section, pour toutes les sections également, les sections 5 et G, pour, afin de déterminer le moment statique de la section complète. Donc, elle a concernant le centre de gravité. Donc, je vais mettre ici le centre de gravité, le celui SY sur A, et le centre de le Y, celui SX sur A. Donc, elle a concernant. Donc, pour déterminer le SX, Y, SY, pour déterminer le SX, Y, SY, toujours, c'est des intégrales. On utilise n'importe quelle procédure, n'importe quelle méthode, pour l'essentiel, on évalue le résultat. Donc, SY, SX, vous servez l'intégrale Y de A, ou là, on prend dans les volets, pour l'inna R, sinus theta, R, dr, dθ, le sy, vous servez l'intégrale x, dA, toujours, j'oublie le là-bas, l'intégrale R, cosinus theta, R, dr, dθ. Vous allez voir ça au niveau du polygone, donc on a au-dessus uniquement la rotation. Donc là, concernant le moment statique, on va maintenant déterminer le centre de gravité, le stylus d'avant, on va appliquer le résultat. Nous avons un triangle. Donc nous avons un triangle ici, la base CAO est égale à A, la hauteur CAO est égale à H. La question générale, la question c'est de déterminer la position verticale du centre de gravité. Donc le centre de gravité, il y a quelque point de G, etc. La question c'est de déterminer le YG. Donc pour déterminer le YG, là, on procède à la section. Donc il y a la section A, qui sert de l'intégrale dx, dy, de l'intégrale 2, ou sx, que c'est une intégrale y, de a, puis y, ou sy, que c'est une intégrale x, dx, dy. Nous avons parlé des propriétés dans un triangle, si on prend une barre, c'est-à-dire la barre entre la distance de A, c'est mon AB. Donc, vous savez, concernant la section, on peut, par exemple, déterminer le résultat directement concernant la section, il y a de la section A, vous savez, par exemple, donc vous savez, A fois H, divisé par 2. Donc, il y a un problème, les deux intégrales, tu y as difficile pour permettre de déterminer. Donc, il y a un problème, puisque la question est là, si je détermine le SY, donc il faut déterminer le SX et de ne pas déterminer le SY. Donc, le SX, vous savez, vous savez l'intégrale sur A, Y, B, Y, bon, Y, Y, dy, dy, qui est V, V, dy, nous avons là, c'est une bande infinie de largeur égale à dy, et de dimension tangente B. Donc la surface élémentaire, c'est B, ça reste donc passibilité à un rectangle, donc c'est V, la hauteur fois la largeur, V, dy. Donc, il y a un problème, B qui dépend de Y. B qui dépend de Y. Il faut expliciter B. Il y a un problème, B, parmi les propriétés de l'intégrale, B sur A, si je ne me trompe pas, peut servir H moins Y sur Y. Ça veut dire que A par des fois R. Ou je peux le faire, sinon, je peux le résultat de l'intégrale.
زي كل حال انا ضرب بيتا على وش يساوي ب يساوي ا سو اي دراج فوا اش موا اي دراج Je remplace B par cette expression ici. Tu sais l'intégrale y par y, B, tu sais A sur y fois H moins y dy. Donc y va droit. Y est à la nuit, il va aller de 0 jusqu'à H. Donc y est à là. Y est à là. Il va aller de 0 jusqu'à H. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à H. A y tourne à y, vous dites l'intégrale. Et bien l'intégrale qui va de là, c'est un polynôme de premier degré, donc tu savais A, H, Y, moins A, fois Y carré sur 2 entre 0 et H. Donc le résultat est là, vous savez le résultat. J'ai eu une A, H carré sur 6. A, H carré sur 6, mais c'est bien la lettre. Je touche le difficile là. Je serais A, H, Y, moins A, Y carré sur 2, entre 0 et H. Vous avez que je serais A, H carré, moins A, H carré sur 2. H carré sur 2. Vous avez que je serais A, H carré sur 6. Donc, il y a maintenant un Y, G, où je serais. Tu serais SY sur A, tu serais SY ou A, H carré sur 6, sur A, il y a A, H sur 2, tu serais. Je sacrifie A ma A, d'autres multiplient un tiers, H par H, je dis A, H masculina, H par H. Donc, il n'y a pas H et par H, il n'y a pas H. H, donc la distance terre verticale, je mesure un tiers de la hauteur par rapport à la base et je mets le centre de gravité terre. Donc le centre de gravité terre se trouve sur cette ligne, ça. Et reste à expliciter uniquement la valeur de X sur G. Ça aide concernant le centre de gravité. Donc je vous parle donc du cas terre. Le cas tel, je fais la même chose avec le cas d'un demi-cercle. Donc si nous avons un demi-cercle, x, y, venez là, la R, O, O, on a un élément infinitésimal, donc dr, on a la petit r, on a la ndr de theta, on a la ndr de theta. Voilà. Donc, la question est la même, c'est-à-dire déterminer à quelle distance verticale il a déterminé les coordonnées du centre de gravité. Et là, c'est une remarque, vous savez, si que par exemple, vous signifiez de la section, par rapport à l'axe Y, je peux déguiser le centre de gravité se trouve sur l'axe Y. Donc le centre de gravité se trouve par exemple ici. G, la distance YG, elle est égale à quoi? Je peux vous dire que le centre de gravité XG est égal à 0, mais là, on va démontrer ça. On va démontrer que le centre de gravité là est égal à. Donc le centre de gravité là. Donc A est égal à l'intégrale de dA. On a les coordonnées de là. La relation qui existe entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires, c'est que je peux dire X, je serai R cosine de θ, Y, je serai R sinus θ, dx, dy, je serai dA, je serai R, dR. De cela. Donc, vous savez, l'intégrale R, dR, de cela, l'intégrale double. On a l'intégration suivant R, petit r, radial, et suivant θ transversal, donc, s'en sépare. Donc, je peux mettre l'intégrale suivant R, le 0 grand R, le R va varier
de 0 jusqu'à l'entier, ne peut pas dépasser le grand entier, L et R, l'intégrale de θ, le θ là, le θ là, va aller de 0 jusqu'à pi. Jusqu'à pi. Il est quand même du cercle complet. Dans ce cas, l'intégrale, donc le cercle est de R, donc dans ce cas, l'intégrale est de 0 de pi. Donc dans ce cas, est égal à quoi? C'est une intégrale très simple, 1 demi de r carré, mesure grand r, où on a theta entre 0 et pi, où on a observé 1 demi de r carré, fois pi, où c'est pi, r carré, divisé par 2, ce qui est vrai, puisque, en point de tout, l'aire de la section, l'aire de cette complexité, pi r carré, ou puisque là, on a la moitié, on ne divise pas. Normalement, on a la moitié, on a la moitié. Mais, on a la moitié, on a le sx égale à quoi? On va procéder maintenant pour déterminer le yg. Afin de déterminer yg, je me le mets là. Là, il faut déterminer le a et le moment statique par rapport à l'axe concerné, les rois x dans ce cas. Donc, l'intégrale par rapport à le moment statique par rapport à l'axe, nous sommes l'intégrale y de a. Ou elle est touchée à l'intégrale double par rapport à la section A, Y, je vous dis bien, il y a R, R sur une là, fois DA, il y a DA sur R, DR, DZ là. Le passage même des coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires se fait par des transformations mathématiques. C'est possible, peut-être, après tout, je tout mettre le module mal jusqu'à maintenant, mais vous allez faire ça au niveau du module mathématique, que ce soit au niveau du lycée ou là au niveau du module mathématique première année, au niveau de première année des sciences. Donc, il y a un autre exemple. Un intégrale de R, un R ou un R, pour dire l'intégrale, R carré de R, R carré de R. Le R n'est pas de 0 grand R, et elle est l'intégrale R, elle est la même chose. Et elle est l'intégrale sinus theta, de theta, et theta est allé voir de 0 pi. Et ça a eu n'importe quel projet, n'importe quoi. Vous avez le choix. Maintenant, je suis limité par n'importe quel dernier, une méthode précise. Donc, quand je vous dis là, je vous dis que c'est une indemnité de. Non. Un tiers de R3, un tiers de R3, il y a rien. R3, nous 0 dans terre, nous 0 dans terre, nous 0 dans terre. Pour être que l'intégrale de la sinus, c'est cosinus. C'est moins cosinus. Nous 0, le pi. Vous avez dit que c'est oui. Un tiers de R3, un tiers de R3, fois moins cosinus pi, moins avec moins cosinus z. Cosinus pi, c'est moins z. Cosinus 0, c'est a. Moins z, moins z, a, un plus intégral à 2. Donc, il est égal à 2 tiers, 2 tiers, 2. Là, ça concerne le moment statique. Donc, on passe directement à la présentation de la formule. Je sais oui, Sx sur A, je sais oui, Sx, où je donne là, je sais oui, 2 tiers de R3 sur A, mais il y a pi R carré sur 2. Donc, reste à simplifier. Simplifier le résultat. Vous avez tout servi. L'inverse à ça, 2 mètres à l'arrière de l'ordinateur 4, hier, et puis j'ai un dénominateur. Elle R3 vers R carré, simplifier R carré, on a 4R sur 3. Elle est concernant le moment, non. Concernant, quoi, finir, c'est la position de son probabilité verticale. Maintenant, on va calculer le SY, la richesse, on va calculer le SY. Afin de déterminer le xg maintenant. Pour déterminer le résultat, le xg nous servait
0. علاش؟ لاخاطش عندنا هي سيميتري دو لا سيكسيون، اي دونك سو كان سون دو غرافيتي سو توب سور لاكس سيميتري اللي هو لاكس دي زيغريك. معليش جو سو با اسكو و فواي سا ولا لا لا. دونك عندنا لو اس ايكاي، دونك انا غادي نفيدو ساعه لو اس ايكاي تيكال با تيكال تيكال اكس دي ا تساوي الانتيكال دوبل سور ا اكس هو ار كوسينوس تيتا R cosinus theta x back with dA where R dA z theta. وهذه تساوي الانتيغرال شير A أنا أمشي شير A. ماش نديرها شير A كل المومون. R كاري dA cosinus theta d theta. وهذه تساوي الانتيغرال من زيرو لكرون تاعي. R كاري dA الانتيغرال من زيرو ل B cosinus theta d theta. هذه تساوي انتيير انتيير دو ار دو اي ديريكتومون لو ريزولتا ديريكتومون لو ريزولتا. وهنا عندنا سينوس ثيتا زيرو تساوي انتيير دو ار دو اي، وهنا تساوي سينوس بي موان سينوس زيرو. Sinus pi, c'est un 0, sinus 0, c'est un 0, 0 moins 0, c'est un 0, 0 fois quelque chose est égal à 1. Donc le résultat de l'auto, le débutant là, maintenant, aussi pour venir le SY, tu sais 0. Donc le centre de la petite là, tu sais le SY sur A, ouais, tu sais le SY sur 0 sur n'importe quel point de A, tu sais 0, ce qui est vrai. Allez, la chatrice, la présentation du centre de la petite là, l'évêque, j'ai trouvé une coïncidence avec l'interprétation physique. L'interprétation physique, vous pouvez aller d'après la forme de la section pour cette symétrie, donc nous sommes dans le sur l'axe des équerres. Là, le but de l'exercice, c'est d'utiliser les coordonnées cartésiennes. Le but de l'exercice, c'est d'utiliser les coordonnées polaires. Donc, on a eu le cas de la question pour le compte, toujours on utilise les coordonnées cartésiennes ou les coordonnées polaires suivant la forme de la section, suivant les données analytiques de la section. Est-ce que la section est donnée sous forme de coordonnées polaires ou la coordonnée cartésienne? Et là, quand même, c'est pour les d'ailleurs, c'est amené les coordonnées polaires, mais on peut utiliser les coordonnées cartésiennes. Moi, je vais te dire. دائرة الموجودية x كاري plus y كاري تساوي r كاري، دونك y تساوي r موان r كاري موان x كاري. وهنا أولي نتيجي دونك تستعمل الانتيغرال باردون هذا x تساوي x r دي r دي y دي y دي y دي x ودي y وش تساوي؟ تساوي دي y تساوي المشتق الحالي موان 2x شير r كاري moins x carré dx, ou tout l'inverse de dy, hélène carré de dy, ou tu sais, l'intégral de 0, hélène r. Par exemple, c'est ça. C'est bon, donc il y a une relation. Hélène, je vous la simplicité de la forme, la formule, une chaleur. Hélène, je vous l'ai dit, donc, il y a un problème de caractère ici, problème de caractère lien, problème de polaire. Donc, hélène, nous avons la même démarche, nous avons la hélène pour d'autres sections. Les sections usuelles, les moyens, nous trouvons là la majorité de la structure, la majorité de la construction, les hommes et les premièrement, nous qui trouvons la section rectangulaire. Rectangulaire, c'est un rectangle. Bon, nous allons le faire. Donc la section, combien de sections je suppose le continu rectangulaire. Mon continu comme 7. Mon continu comme triangle. Rectangle. Mon continu comme 1 quart de 7.
Mon petit consiste circulaire, commencez-moi à parler de moi sur ma jambe. Mon petit compte, voilà, on a les sections. Donc, elle a les sections, je l'ai dit, monsieur Diolo. On prépare leurs caractéristiques géométriques. Je ne vois pas, la section, la façon de regarder, le moment d'inertie, et d'autres sections qui viennent, et puis mon petit compte, la vie quotidienne. Voilà la construction interne, la construction architecturale. Donc, il y a une section, une nouvelle section, qui n'est pas classée avec les sections usuelles. Dans ce cas, il suffit qu'à déterminer le caractéristique géométrique en passant par le calcul des intégrales. Ou je fais un intercom au niveau du calcul. Donc, par exemple, le cas de cercle, le cas là, il y a une certaine table, vous allez voir ça au niveau de. Au niveau de la plateforme, au niveau du cours écrit. Donc là, nous avons une certaine table. Donc la section, le centre de gravité terre l'air, le centre de l'air de la section, par exemple, je trouve le cas là.